Le 29 mars dernier, la baronne Myriam Hulan était assassinée par son beau-fils. Un drame familial qui avait fait énormément de bruit en Belgique. Aujourd'hui, il semble que le baron Hulan ait réussi à tourner la page. La preuve ? Selon le journal Etlat News, l'homme aurait en effet retrouvé l'amour. D'après le journal flamand, il s'agirait d'une certaine Manuela. Le baron est conscient que la situation a évolué rapidement. Et que cela peut sembler étrange aux yeux du grand public. Mais il sait aussi qu'il n'a plus 20 ans et qu'il n'a plus toute sa vie devant lui. Cela n'enlève rien à l'immense chagrin qu'il éprouve toujours suite à la mort de Mimi. Précise HLN. Le couple aurait notamment été aperçu sur le yacht de luxe du baron, voguant en mer Égée, avec plusieurs amis. Pour rappel, Nicolas Hulan, le meurtrier de Myriam Hulan, est toujours en détention préventive.